Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et joyeux Mardi Gras à tous. Et bienvenue, vous. Évidemment, vous qui êtes tranquillement installés à la maison, nous allons recevoir immédiatement celui qui va passer une heure avec nous. Attention, mesdames, messieurs, un comédien exceptionnel. Voici Roland Giraud. Accueil. Mesdames, messieurs, un accueil chaleureux, Roland Giraud, la voici, là. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Bonjour, Roland. Elle est belle. Nous allons voir ça tout à l'heure. Elle est belle. Roland, nous sommes ravis de vous recevoir en ce Mardi Gras. Moi, je m'attendais à voir Christophe de Chavannes. Il n'est pas là, je suis sa fiancée. Bien, écoutez, je suis. Et il m'a dit, écoute, pour cette fois... Il y a une ressemblance. Pour cette fois, vas-y, il m'a dit. Bon, très bien. Bah, écoutez, alors, je ne me conduirai pas avec vous comme avec lui, mais... Je vais vous donner l'énigme du jour, cher Roland. Oui. Mais en fait, j'aimerais bien le faire avec Patrice. Eh bien, qu'est-ce que vous y sont? Qu'est-ce que... Patrice, qu'est-ce que vous faites là? Ben, venez. Bernard Bilis, bien sûr, mesdames, messieurs. Patrice, Bernard Bilis, Roland Giraud. C'est la fête. Restons-nous rapidos. Roland, écoutez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. La demoiselle de maison, c'est bien. Bonjour, petit lapin. Bonsoir. Écureuil. Écureuil, oui. Oui. Ah oui, effectivement. Bonsoir, princesse. Vu la taille des oreilles. Bonsoir, écureuil. Bonsoir, Schtroumpfi. Bonsoir, princesse. Bonsoir, Bernard Bilis, vous connaissez Bernard Bilis. Il n'est pas là cette semaine. Il nous a envoyé un de ses camarades, Schtroumpf. Schtroumpf magicien. Magicien, Schtroumpf magicien. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui, Schtroumpf magicien? Ah bah écoutez, j'ai dit que je suis de blanc et de bleu. Oui, et l'énigme. Ah, on n'a pas fait l'énigme. Et bien l'énigme. Bah l'énigme, Schtroumpfi. Alors, Patrice. C'est même une charade, c'est une réponse en chanson. C'est pas vraiment une charade, c'est une devinette. Devinette. Mon premier est contenu dans cette célèbre phrase, c'est une charade. Raviro et Rotantara, alors Rami Pataro, mais Ro Brulara et Ralacharo. Ça, c'est assez facile. Ça, c'est assez facile. Magique. C'est assez magique, donc si vous trouvez ce mot-là, ça, c'était mon premier. Mon deuxième se situe juste avant la catégorie senior. Je regardais si. Non, ça va pas ou quoi? S'il y avait quelque chose. Mon deuxième se situe juste avant la catégorie senior et mon troisième se trouve au col du Saint-Bernard. C'est une réponse en chanson. Vos propositions, vous les faites bien sûr au 42-48. 16-16, 36-68, 50-50, 36-15, code TF1, rubrique... Coucou. Merci Patrice. Je sais que je vous plais, oui, mais j'aimerais bien qu'on reste sage pendant une petite comptez heure. Comptez sur moi, hein, pour être sage, vous savez bien. Pardon, alors, merci. Schtroumpfi. Un petit bisou. Ça n'engage rien. Ah ben rien. C'est ça qui est formidable. En tout bien, tout honneur. Aucun engagement. Oh là là. Alors. Étant de blanc et de bleu vêtu, regardez bien. Si je laisse les cartes blanches ici sur le blanc, rien ne se passe. Pourtant, si on les passe sur le bleu, tout de suite, elles deviennent bleues. Ça, c'est dingue. Je recommence, regardez bien. Les blanches sur la table, les bleues ici, regardez bien. Simplement en faisant. Et là, il n'y en a qu'une seule qui devient bleue. Oh, putain. Encore une fois. Oui. Regardez bien. Blanc-bleu, blanc et bleu. Si on fait... Hop. À ce moment-là, on a... Je comprends jamais, mademoiselle, et vous non. Et ici, de blanc. Moi non plus. Il suffit de passer sur les costumes blancs pour faire... Et toutes les cartes sont blanches. Oh là là. C'est ça, c'est formidable. C'est formidable. Ça commence très fort. Formidable. Oh, mais... Bernard. Oui. Un deuxième. Qui est autre? En fait, on peut faire changer les cartes de n'importe quelle couleur. C'est ça qui est très intéressant. Regardez bien. Examinez, par exemple, le 4 de carreau qui est là. Oui, je le tiens. Oui, examinez-le. Il n'y a personne à l'intérieur. Non. Très bien. Regardez bien. Écoutez, parce que souvent, quand on fait changer une carte de couleur, on transforme un 4 de carreau en 4 de pique. Mais là, ce qui est amusant, c'est que simplement, en faisant... On change juste un point. Alors là, je juste je un point pas qui est devenu noir. Oui. Regardez bien, encore une fois. Attention, il y a votre tête qui cache les... Si on fait... Hop. Ça, alors là. Hein? C'est bizarre, hein. On peut les changer comme c'est ça, par paquet. Ça, on a si pas on fait... Ça va. À peine.
Elle se transforme. Ce qui fait que maintenant, il y a 4 points noirs, les index rouges. On peut faire ça et elle devient bleue aussi. Hein. Bah oui. Mais on peut pas laisser comme ça, donc on fait ça. Bah tchac, à ce moment-là, tout devient. Oh là. Mais où va-t-il chercher il tout fait ça festival. On se demande. Bravo. Ah, ben, tout est fait. Si. Ah, ben, ça fait si. Alors, on a le temps, Bernie. Encore une petite pour la route. Encore un petit. Je vais avoir besoin. Tiens, au hasard, de moi. Oui, oui. Non, mais bougez pas. Moment. C'est un tour avec deux rubans. Oui. À peu près de même longueur. De l'actualité de Roland, mais. Maintenant. Mais oui. Asseyez-vous, Bernard. Ah bon. Ah ben, alors je reviendrai. Et le ruban. Tout à l'heure. Alors. Je reviendrai tout à l'heure avec ces rubans. Oui, l'actualité de Roland immédiatement. Voilà. C'est demain en plus. Oui. C'est l'actualité chaude. Ah bah oui, très chaude. On peut le dire, ça sort demain, c'est ça. Mais heureuse. Je t'aime quand même. De Nina Compagnès. Oui. Et c'est une comédie. C'est une comédie qui parle d'amour et sur un fond d'opérette. Alors ça peut paraître désuet, mais en fait, une chose qui n'a jamais été faite. Et c'est particulièrement gai, et ça parle d'insouciance, de bonheur, de choses qui sont plus trop à la mode, qui sont un peu à contre-courant, mais qui font que j'ai fait ce film. On y revient quand même. On y revient. On y revient. Au bonheur et à l'opérette ? Non, pas vraiment. Moyennement. Non, pas vraiment. À l'insouciance, moyennement aussi. C'est avec Daniel Lebrun et Pierre Palmade. Et Pierre Palmade, Gérard Hernandez, Delphine Rich, enfin. Ah, mais tout le temps je le bouge. Et c'est un film qui est gai, qui est joyeux. Mais profondément. Bon, enfin, écoutez, il faut bien que je les mette quelque part, les ici, pauvres. Ici. Quand je parle de gai et joyeux. Et pourquoi rit-il ? Pourquoi rit-elle ? Pardon. Bien sûr. Oui, voilà. Donc je t'aime quand même. C'est ce qui vous a décidé, c'était d'aller à contre-courant, justement. Oui, puis de faire chanteur. Et de chanter. Car ça, c'est une de vos passions. Ah, bah, c'est une de mes passions. Une passion, enfin oui, j'aime beaucoup ça. Oui. J'aime beaucoup ça. Peut-être. Et quand on me donne l'occasion, comme l'a fait Nina, de faire ça avec les moyens que nous avions, au point de vue orchestre, chœur et tout ça, je ne pouvais pas refuser. Vous êtes trouvé dans la peau véritablement d'un chanteur d'opérette ? Oui, sauf que celui-là a tendance un peu à. Pigoler ? Oui, ça arrive. Oui, mais pas à moi. Non, jamais. Non, moi, bien ça, sûr. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que de chanter. Bien sûr. Peut-être que nous vous mettrons. Attendez, vous en avez un là. Merci. Ça peut être contribution tout à l'heure. Ah bon ? Oui. Oh, peut-être. Vous auriez aimé faire une carrière à la Luis Mariano ? Non, car je suis baryton, cher ami. Je ne suis pas ténor. Je vois un petit peu plus grave. Plus basse. Est-ce que vous auriez aimé faire une carrière à la Luis Mariano, mais en baryton. Voilà. Ah, oui, ça, oui. Pourquoi pas, oui. 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 En fait, je voulais être chanteur, surtout crooner, oui, des choses comme ça. Oui. Ça intéresse. Oui, non, pas du tout. Moi, j'étais en train de me dire qu'il y avait pas mal de chanteurs qui avaient en fait rêvé d'être acteurs. Oui. Et ils sont restés chanteurs. Oui, parce que moi, j'ai fait les deux. Oui. Et vous avez fait. Par exemple, Sardou, mon camarade Sardou, qui voulait être comédien et qui est chanteur. Voilà. Comme moi, j'ai toujours voulu être chanteur, je suis comédien. Voilà, bah, c'est mais ça. Comédien-chanteur. Voilà. Va comprendre. Va comprendre, mais enfin, c'est quand même du boulot. Sardou qui sera d'ailleurs parmi nous dans pas très longtemps. Je ferai mes amitiés. Redis en 10 jours. Je ferai vos amitiés. S'il vous plaît. Moi, j'ai absolument. Patrice, alors donc, c'est aussi, vous avez parlé des relations d'amour, etc. Les relations très importantes entre un père et un fils. Pierre Palmade, qui, dans l'histoire, déteste son père parce que son père a abandonné toute la famille quand il était jeune pour aller courir le guillou. Ce qui est pas bien. Faire remplacer les chanteurs et picoler. Et il revient, il veut connaître son fils, il veut aimer son fils, lui donner le goût à la vie, car cet enfant a le goût un peu des jeunes gens pour la peur de l'avenir, il a peur du chômage. J'ai peur des maladies, tout ça. Et je lui redonne le goût à la vie. Il veut rentrer dans l'administration fiscale par transfert contre son père. Et ben, l'histoire du film, c'est comment cet homme-là va réussir à donner le goût de la vie et de la joie à cet enfant qui n'était pas fait pour ça. Et il y arrive, figurez-vous. Enfin, je vous raconte pas la fin. Premier grand rôle de Pierre Palmade. Pour Pierre, qui s'en tire formidablement. Est-ce que vous l'avez conseillé, aidé, tuyauté Je lui ai conseillé de moins sortir le soir, parce qu'il sortait beaucoup le soir. Tout à fait tard. Contrairement à moi, qui couchais à 8 heures tous les soirs. Mais il était tellement là à l'heure le matin, et tellement pro, et tellement. Tout ce que j'aime dans ce métier, qu'on a fait un couple formidable. Et, enfin, vous n'avez pas vu l'affiche et la bande-annonce ? Non, parce qu'on est en chien dessus. Il ne faut pas croire que ça a un rapport avec ce qui se passe dans le film. Rien à voir. Non, vous comprendez pourquoi. Voilà, ça s'appelle en tout cas Je t'aime quand même. Ça sort demain, c'est un film de Nina Compagnès. Est-ce qu'on a le temps avant la publicité ? Non, on va se retrouver tout de suite après avec évidemment Bernard Bilis, évidemment Patrice, évidemment notre camarade Roland Giraud. Et à tout de suite et merci beaucoup. Oui, mademoiselle. Nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec notre camarade Roland Giraud qui est ici. Et c'est un vrai plaisir que de le recevoir, vous pensez ? Oh, merci. Encore, vous êtes la sœur de Christophe, sinon je le ferais pas. Je suis contente qu'il ait été malade parce que dis donc pour la première fois comme ça j'ai la possibilité de venir moi aussi faire la cacou et tout ça devant le micro. C'est rigolo. Oh mais ça change un peu. Bah oui, c'est pas pareil. Non. Hein ? Non. C'est pas pareil. Ça va bien. Alors, Peter Pan, s'il vous plaît. Alors, Peter. Oui. Ouais. Pierre. Alors, tout à l'heure, on a parlé de chanteur, de chant, de voix exceptionnelle. Et là, on a une voix exceptionnelle, c'est Benjamin Alexandre, qui est soprano. Professionnel. Qui est un ex-soliste du Vatican. Du Vatican, qui est à l'opéra, qui chante dans des récitals classiques à travers le monde entier. Je suis très admiratif. Et il a une particularité
que ne possèdent que 12 personnes au monde, et 2 en France. C'est une tessiture de voix totalement exceptionnelle. 4 octaves. 4 octaves. 4 octaves, oui, il faut le faire. Formidable. Alors, vous en avez combien? Je suis admiratif. Écoutez, j'en ai 2 ici. Et une chez vous? Non, je ne sais pas. Pas beaucoup, je crois. 2? Pas beaucoup. Mais on va dire 2. On va dire 2. On va dire 2 pour aujourd'hui. Là, c'est 4. Oui. Entre la voix la plus aiguë et la voix la plus grave, alors que Madame Tardieu, qui est une dame tout à fait charmante que nous avons reçue ici, qui était exceptionnelle, avait, elle, 3 octaves. C'est dire si 4, c'est exceptionnel. On va peut-être tout de suite écouter Benjamin Van Nieuwvoort. Il y a 12 personnes au monde qui sont capables de faire ça. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Bravo, c'est exceptionnel. Alors, ah ouais. C'est vrai que vous n'êtes que 10, 12 au monde à posséder ces tessitures. Oui, je pense. Est-ce que c'est vous passez en voix de tête et dans votre tessiture de ténor? Non, je n'ai pas de voix de tête. Non, mais ça donne l'impression. Oui. Vous quand on n'est pas... J'ai un dédoublement de cordes vocales. Je suis né avec une anomalie vocale et je travaille sur l'anomalie. C'est une anomalie qui vous... Et c'est-à-dire que les autres personnes qui ont ces caractéristiques, c'est aussi une anomalie? Je ne sais pas. En tous les cas, pour moi, j'ai appris que c'était une anomalie parce que j'ai perdu ma voix pendant 3 mois. Et, totalement. Totalement, oui. Je ne pouvais plus du tout chanter. Et j'ai découvert un médecin qui m'a beaucoup aidé parce qui m'a fait redécouvrir la voix. Est-ce qu'on peut avoir, pardonnez-moi, indépendamment d'un chant comme on a entendu là, est-ce qu'on peut avoir une démonstration, c'est-à-dire la voix la plus basse jusqu'à la plus haute, avec certaines étapes pour aller à la voix la plus haute? Ou d'ici quelques minutes, si vous voulez. Non. Mais il faudrait peut-être être debout, non? Vous voulez être debout, non? Oui, vous savez, parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas chanteur comme moi. Ah non, vous ne savez pas, Cendrillon, qu'il faut être debout. Vous ne savez pas. Vous pouvez avec le micro à la main? Oui, bien sûr, il faut être debout pour. Oh, Chilan. Ça, c'est plus bas. You won't go to sleep. Quelle leçon de Voulez-vous essayer, Roland? Ah non, c'est trop bien. Oh, Roland! Vous donnez le plus bas, le plus haut. Le plus bas, le plus haut. Debout.
change de bruit. Alors, restez là, Roland. Restez là. Non, restez ici à la lumière. Non, Encore une fois, je ne suis pas un vrai chanteur. Mais je ne cherche pas d'excuses. Je ne suis pas même défilé devant la situation délicate. Alors, bas et haut. Allman River, Allman River. Oh Marie, écoute-la, voici que ce soir déjà toute la ville en parle. C'est très bien. Bono, ça va. Ça, c'est un don de la nature. C'est Bono, oui. C'est bon. Merci, applaudissements, Bono. En tout cas, s'il vous plaît, pour Benjamin Alexandre, messieurs. Mais non, regarde ce que vous avez fait maintenant. Une belle couche, je m'en aille. Ouais. Merci, Benjamin Alexandre. Merci, c'était formidable. Alors, quelques questions magnétophones. Quelques questions magnétophones, évidemment. Magnétoscope, bien sûr. Cette nouvelle rubrique, vous le savez, c'est très facile. Un magnétophone, vous choisissez les questions. Je voudrais la 3. La 3, c'est parti, la 3. La 3. Bonjour, dormez-vous sur le ventre ou sur le dos? C'est une question qui me gêne énormément. Je dors exclusivement sur le ventre la nuit et sur le dos pour la sieste. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. C'est sûr. Je n'ai jamais pu faire la sieste sur le ventre. Et vous dormez sur le ventre? Je l'affirme. C'est dingue, ça, Roland. Oui, c'est dingue. C'est un scoop pour Coucou, c'est nous. C'est un sur le ventre la nuit, sur personne le dos le jour. Personne ne peut dire que je l'ai dit dans une autre émission. Non, c'est non. Vraiment c'est une exclusivité. Sur le ventre la nuit, sur le dos le jour. Bien. Merci, Roland. Nous allons prendre une deuxième question magnéto immédiatement. Allons-y, bonsoir. 4, 5 ou 6? Je voudrais la 5, s'il vous plaît. La 5, c'est Partoche. Bonjour. Quel est votre film fétiche? Mon film fétiche est un film qui s'appelle Le complexe du kangourou. Ah voilà. Oui. Voilà, qui est un film que j'aime beaucoup pour cette histoire. C'est la première fois que je joue un personnage qui avait un passé, un présent et un avenir. Avec Clémentine Célarier, si mes souvenirs sont bons. Bravo, avec Clémentine, oui, un film de Pierre Jolivet que j'aime toujours beaucoup. Et qui a eu la chance de tomber le jour où il y a eu Septembre Noir, où il y a eu 12 attentats dans Paris, tout ça, où la fréquentation des salles a baissé de 80%. Donc ça a dû cartonner. Mais sans ça, quand c'est passé sur TF1, ça a fait un énorme score. Alors ça, c'est un film fétiche. Et c'est un très bon film. Ça, c'est un film fétiche à vous, mais un film fétiche. Comme ça, oui. Aussi. Oui, on peut le dire, j'en ai un. Okay. Merci Roland, nous allons prendre une troisième et dernière question avec la scope. Allons-y, entre 7, 8 et 9. Je vais prendre 9, s'il vous plaît. 9, s'il vous plaît, bonjour monsieur. Allez-vous vous coucher toujours aussi tard? Mais écoutez monsieur, vous devez vous tromper d'acteur, car je me couche rarement tard. Et tard, vous voulez dire tôt le matin, vous voulez dire. Je me couche tôt le matin, je me couche très rarement tard, parce que je suis quelqu'un qui se lève tôt. Donc à ce moment-là, il faudrait que je ne dorme pas du tout. À quelle heure vous levez-vous? Bon, je me lève vers 8-9 heures du matin, et je fais ma petite sieste l'après-midi. Il y a plus tôt. 8-9 heures, il y a plus tôt. Ah, comment? Quand on se couche à 3 heures du matin tous les jours, ce qui est mon cas. Ah, c'est sûr. Après le théâtre, il faut aller au restaurant, tout ça, la vie est difficile. Et je dors donc sur le ventre jusqu'à 8-9 heures du matin. Et après, vers 4 heures de l'après-midi, hop, sur le dos. Hop, c'est la sieste. Et là, c'est comme une tortue, vous ne pouvez plus vous remettre tout droit, tout seul. Oui, si vous voulez, écoutez Cendrillon, ce genre d'humour, franchement. Bon, je m'excuse. Oh là, Patrice. C'est la dernière fois. Est-ce que vous aimez les animaux un peu sauvages? Ça dépend, forcément. Par exemple, si je suis dans un marécage avec un énorme crocodile, je l'aime de loin. Voilà, mais regardez. On va regarder quelques images. Voilà. Je préférerais prévenir immédiatement les familles qui nous regardent que ces images sont un peu violentes. On les a déjà vues ici ou là. Là, on les montre un petit peu dans leur intégralité. C'était en Pologne. C'était une émission de télévision où un monsieur habillé en karatéka, car il l'était, je crois, venait montrer son ours dont il était propriétaire et montrer comme quoi l'ours était tout à fait charmant avec une dame qui venait. Je préviens tout de suite les âmes sensibles qu'il y a quelque chose d'un petit peu violent quand même, mais tout est bien qui finira bien, vous le verrez tout à l'heure. Regarde. Ça va alors. Il s'installe. C'est beau. C'est non, c'est pas Dave, c'est un karatéka. La dame arrive. Regardez, attention, hein. Il va jeter un coup d'œil, l'ours. Ça va être très vite. Hein. Hop. Et là, ça ne lui plaît pas. Et là, ça ne lui a pas plu. Cette dame, visiblement, lui a plu beaucoup. Ouais. Et puis ça va vite, hein. Ah, ça va très très vite. Oui. Ça va très très vite. Ce qu'on ne sait pas, c'est les gros nounours que les enfants adorent sont les animaux les plus violents et les plus féroces de tous les animaux sauvages. Voilà, ça vous fait peur, ça? Sous un aspect très bonhomme. Comme Ça, c'est un animal tout à fait particulier. Nous nous sommes renseignés, nous sommes rentrés en contact avec les Polonais et nous avons voulu voir nous-mêmes si cet ours acceptait de venir sur un plateau de télévision. Et je vais faire la dame. Le voilà. Voilà, en tout cas. Voilà l'ours. Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. Et voilà l'ours qui va rentrer avec le docteur Michel Klein que voici et Roland Giraud va faire la dame. Oui. Effectivement, comme il vient de le dire. Eh ben, ça me fait très plaisir. Je suis content d'être venu. Entrez, messieurs, entrez, c'est vous plaît, Ben. Michel. Il s'appelle
Comment il s'appelle? Il s'appelle Ben, il vient du Canada. Comment il s'appelle déjà? Ben. C'est un ours baribal, ou noir, américain, il a âgé de 8 ans. Et il n'a pas de muselière. Et il n'a pas de muselière parce que depuis, il mord moins. Voilà, on a trouvé quand même que c'était quand même beaucoup plus drôle de lui enlever. En fait, c'est ça, il était agacé par sa muselière en Pologne. Je crois que c'est ça. Et maintenant qu'il est sans muselière, ça va évidemment beaucoup mieux. Allons-y, Martin. Roland, pardonnez-moi. Allons-y. C'est l'ours Martin et l'acteur Roland. Monsieur, messieurs. Non, ça fait rien. Monsieur Mouji. Moi, j'ai des couleurs vives. Faut pas que j'approche trop, il paraît. Doucement, voilà, si. Comme ça, voilà. Alors, on plaisantait en disant. C'est plaisanté. Je fais ce que vous me dites. Monsieur Mouji. Je fais ce que vous me dites. Si jamais. Nous plaisantions en disant que c'était le même ours, évidemment. Ça n'est pas le même ours, Michel Klein. C'est pas le même. D'ailleurs, il n'a pas la même couleur. Non, mais il y a quand même bizarre. Oui, on l'a peint en noir. Oui. Alors, la particularité de cet animal qui appartient. C'est un baribal, un ours américain. On vous écoute, alors la particularité, où vit-il? Eh bien, il vit avec... il veut présenter vous. Avec Al-Mouji. Il vit en Amérique du Nord, hein? Al-Mouji. Non, pas celui-là, pas celui-là vit avec monsieur. Celui-là vit avec monsieur, mais en principe. Ça vient d'Amérique du Nord. Ça vient d'Amérique du Nord. Amérique du Nord, exactement. Quelques mots, monsieur, sur votre ourson, alors? C'est un ours adulte, il a 10 ans, et il est utilisé pour un spectacle Moyen-Âge qui s'appelle Les Saltamanques de Notre-Dame de Paris. Oui. Et c'est un animal qui a servi pour le cinéma. Et alors, dans quelles sont ses conditions de vie actuelles, etc. Conditions de vie, en captivité, dans un milieu presque naturel, et il mange les mêmes aliments que nous. C'est-à-dire qu'il est nourri comme nous. Michel. C'est-à-dire que les ours sont omnivores comme nous. C'est-à-dire qu'ils mangent de tout. Ils mangent en principe peu de viande, mais ils mangent des légumes. Il mange des marshmallows aussi. Des marshmallows, mais comme ça, la main plate. Plate. Hein. Voilà. Tiens, vous avez un mot aussi. Voilà, allez-y. Il est gentil comme tout. Il est très, très gentil. Mais attention, c'est quand même pas une bête à avoir chez soi. C'est pas un ours en peluche. Ça, c'est clair. Et c'est comme un lion, ça reste un lion. Il représente un danger, même pour lui. Mais c'est un ours. Alors, faut dire une chose, c'est que vous l'avez il y a les petit. Ours polaires. Je l'ai eu à 3 ans. 3 ans, mais c'est pas de foutu. Mais ça, les baribals sont les plus gentils. Parce qu'il y a les ours noirs. Tiens, moi, Titi. Tiens, voilà, il y en a plein, là. Docteur Klein, la dame qui s'est fait agresser, il y a une raison spécifique, hein? Voilà, justement, la dame s'est fait agresser parce qu'elle avait une odeur particulière chez les dames au cours du mois, la menstruation. Et ça l'a excité, le monsieur le nounours. Parce que vous avez vu, tout d'un coup, il a sauté dessus. Ah, mais il ne voulait pas la tuer, donc. Il ne voulait pas la tuer. Non, pas du tout. Non, il voulait. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est le monsieur qui s'est fait blesser qui l'a défendu. Oui. Mais ça, il fallait le savoir. Et puis, ça manque de précaution. Alors, il faut vous dire une chose. C'est que nous, en France, on a d'abord une législation. Et on a une association d'animaliers professionnels dont il fait partie. Et il y a des règlements, il y a des précautions, et c'est des gens, des professionnels, ils savent très bien quoi faire pour justement, on ne court pas de danger. Mais quand même, il ne s'agit pas d'aller se promener ou d'aller caresser les nounours quand vous allez au zoo, parce que c'est dangereux. Quel âge a-t-il maintenant? Il aime les petits nounours comme ça. Quel âge a-t-il maintenant? 10 ans. 10 ans. Et ça correspond à? Eh bien, les ours, ça vit 40 ans. Hein. Ah ouais, quand même. Ah oui, oui. Donc c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Il est très, très costaud. Combien de kilos fait-il? 250 kilos. 250 kilos. S'il se met à lutter contre vous, bien que vous soyez... Fais voir que t'es grand. Allez, vas-y. Ça peut rester sans manger pendant 7 mois. Ça peut hiberner. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que l'ours se met debout sur ses membres inférieurs comme nous. Et c'est pour ça qu'il est très, très proche de nous. Et les montreurs d'ours, il n'en reste plus que 5 en France. Et que, c'est grand comme ça. Voilà, regardez ça comme c'est beau. C'est grand comme un homme. Et c'est un omnivore comme nous. Ils se font des petits bisous. Oui, non, ils mangent un peu le... C'est-à-dire que s'ils se mettaient à lutter contre vous, vous ne feriez pas le poids, évidemment, monsieur. On a 50 chances sur 100. 50, non, une chance sur deux, quoi. Parce que là, il est... Je suis costaud, même. C'est une force herculaine. Un ours, c'est l'animal que je disais tout à l'heure. Un des fauves les plus dangereux. N'écoutez pas, c'est que c'est un animal qui a l'air doux et gentil comme ça, mais qui a d'une puissance et d'une force. C'est une bombe. Et les griffes. Et d'une rapidité, quand même. La troupe des saltimbanques de Notre-Dame de Paris, c'est quoi? Elle se produit dans toute la France et c'est un spectacle médiéval qui travaille pour les mairies, j'ai les peur, associations. Tu sais. Je suis là. D'accord. J'ai peur, tu sais. Ton prince est là, mon petit. Oui, mon prince, mais j'ai peur. Un jour, je suis venu. Attention, l'ours vous regarde. Une petite chanson, mon prince. Et tu as disparu. Vous savez, on se connaît à peine, c'est fou, non? C'est dingue. Tout bon, mais c'est magnifique. Magnifique. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit.
Nous aussi, monsieur. Au revoir, mademoiselle. C'est très impressionnant. Au revoir, monsieur le docteur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Pas d'applaudissements. Allez, bien, bien. Bonjour. Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. Bien, mon bonhomme. Nous sommes bien près de lui. Allez. Et il est bien là maintenant. Bien, bien. Sortir, oui. Content. Bah, il trouve peut-être un peu séduisant de quelque chose. Bien, tu es têtu. Ça fait 250 000. Évidemment, c'est pas pareil. Bien, bien. Je vais l'attirer dans mon guet-apens. Bien, mon petit fils. Je suis comme la polonaise. Bien, bien. Ah, il veut pas, il veut pas. Je suis polonaise. Tchac, 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 tchac. Viens, mon titi. Moi aussi, je m'en suis. Il aime bien aller au bistrot. Est-ce que les ours cabots, ça existe? Est-ce que les ours cabots? Les ours cabots, ça marche chez les chiens. Regardez. C'est quoi, du jus d'orange? On va pas le forcer. Une petite grenade. Il veut pas rester là. Il est bien là. Allez, viens. Tu veux boire un coup? Viens avec moi. Est-ce qu'on peut aider à tirer? Est-ce qu'on peut. My name is Marlène, come on. He speaks English, no? Marmitoun. Viens, moi, Titi. Viens. Alors, il suffit de glisser, ensuite. Viens, là, là. Ah, il veut pas, OK. Qui pourrait penser à la beauté? Lusa. Ah, bah, ça y est, il a soif. On voit ce gros derrière sympathique. Patrice. On va retrouver Bernard. On va trouver Bernard, bien évidemment. Gardez un petit pour la route. Hop là. C'est rigolo. Alors, non, Bernard Billy, un petit pour la route. Un petit pour la route. Alors, Bernard, alors, bien. C'est à vous. Nous n'allons pas vous quitter les yeux. Avec les deux rubans de tout à l'heure. Cholé. C'est magique. Excusez-moi. C'est pas grave. Donc, nous allons prendre ces rues. Je m'excuse. Le jeu consiste à tenir debout dans cette émission. Oui. Je vais vous demander Pardon. Je ne leur ferai plus. Oui, c'est ça. Ça glisse en plus. Alors, okay. Ça y est, elle est en place. Donc, je vais vous demander de m'aider à tenir debout. Voilà. D'examiner les deux anneaux ici. Voilà. Deux anneaux. Un vert et un jaune. Très bien. Bon, vous savez, on a quand même son certificat d'études. On va passer le ruban. Excusez. Cendrillon, ici, mon petit. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est partie. Bien, on va passer le ruban. Les anneaux. Les anneaux dans le ruban, comme dans les rubans. Voilà, comme ceci. Voilà. Et nous allons nouer le tout de cette manière. Nouons le ruban dans l'anneau. Voilà. C'est beau, c'est ce qu'il nous faut. Très bien. Oui. Maintenant, je vais vous demander de retirer votre veste. Ah bon? Oui, vous vous levez. Ah là, le torero, comme ça. Là, ça m'inquiète. C'est beaucoup plus. Mais pour le micro, il n'y a pas de problème, mesdames et messieurs. Non, c'est bon. Ah là, là, là. Olé. Olé. Oh. Allez, non. Très bien. Olé. Oh. Une autre sœur de Christophe? Oui! Je suis un deuxième sœur! Alors, donc. Roland commence à se déshabiller. Voilà. Donc, vous poussez un peu la chaise, voilà. Oui. Impeccable. Ça vous va très très bien ce petit body bleu. Ah, hein. Bah oui, tout à fait, c'est chou. Dis-je mais trop. C'est pas mal non plus. Mais qu'est-ce qu'il va faire à ma belle veste que je dois ramener? Nous allons passer simplement le ruban. Oui. Je rappelle aux camarades qui nous regardent dans la manche de veste que c'est mardi gras. On n'a pas totalement disjoncté, c'est mardi. Je vais demander à Christophe de tenir ici les deux rubans. Les deux. Voilà. Et on va faire exactement pareil dans l'autre manche. Oui, j'ai bien fait de venir. De ce côté-ci. Et vous allez tenir les deux autres rubans. Je tiens les deux autres rubans. Voilà. Et maintenant, je vais essayer. Et l'autre, c'est Christian. Christian, tiens bien fort. Bon, on va essayer quand même. On va essayer de libérer les anneaux sans passer par les extrémités. Et on arrive à ressortir les anneaux. Oh non, mais là, je comprends plus. Mais comment il a fait? Tirer pour voir Roland. Maintenant, regardez bien. Doucement. Oui. Eh ben, vous prenez un des rubans, Christophe. One of the rubans. Et moi aussi. Un seul. Voilà. Voilà. Non. Et vous les nouez. Vous les nouez. Non, celui-ci avec celui de Roland. Celui-ci avec celui de Roland. Avec celui de Roland, ce sera plus charmant. Je ferai un petit nœud rose. Non, juste un nœud. Voilà, très bien. Non, un nœud. Un nœud. Ah, mais si, non, attends, vous faites juste un nœud. Ça chute. Voilà, vous prenez un bon petit nœud. Et tenez. Et l'autre côté, prenez-la. Voilà. Et maintenant, regardez, on va essayer de sortir la veste aussi. On fait. Paf. Et à ce moment-là, on arrive à libérer la veste.
Oh, bravo. 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 Ah, c'est formidable. C'est formidable. Je n'ai rien vu. Ça va ? Je n'ai rien vu. C'est formidable. C'est formidable. Merci Bernard. Merci. Merci Bernard. Mesdames, messieurs, Mardi Gras, vous le savez, c'est à travers le monde des carnavals tout à fait exceptionnels. Ah. Merci mesdames, messieurs, pour la pâte de foie d'oc que vous avez oublié. La samba. Oh, une danseuse de pas au Brésil. C'est dans le Rio de Janeiro. Oh lélé. Oh la la. Oh, c'est insupportable. Elles vont nous apprendre après. Elles vont nous apprendre à danser. Ouais. On regarde d'abord. On ne touche pas. Et on touche pas. Regarde après. On va bien la musique, si. Devenu calme et détendu, alors c'était terrible. L'ours serait là. Ah oui, mais ça va. D'où l'expression. Ah oui. On pense à ce pauvre émetteur. Là. Monsieur, oh, c'est magnifique. Alors, bonjour. Comment on fait pour apprendre? Comment on fait pour danser la samba? Alors, comment dit-on bonjour déjà en brésilien? Bonjour. 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 Bon, d'abord, le pas de bas, c'est celui-là, doucement. Comme ça. Comme ça. Il faut laisser clair que pour les hommes, c'est une chose, pour les femmes, c'est un autre. Ah, ça, c'est pour alors, c'est un peu difficile de vous dire parce que. Ah oui, pas ouais, c'est pour garçons. Mais on peut le sentir aussi, tu vois. Voilà, comme ça. On peut sentir. Voilà, ça, c'est le pas de bas. Après, on travaille les hanches, les tailles, on travaille tout. Mais toi, c'est le pas de femme. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais en tout cas. En tout cas, si vous voulez des détails, on donne des cours de samba au Pau Brésil tous les soirs. Pau wow. Brésil. Voilà. On peut manger en plus. Oui. En tout cas, vous êtes toujours plus belles les unes que les autres. Ah oui, ah. Allez, on s'en fait une. Je m'excuse petite... bien, mais. Puis c'est une fille qui parle, hein. Je sais de quoi je parle. Elles sont belles et tellement sympathiques. Une petite danse pour la route. Oui, une petite pour la route. Alors, on va avoir la publicité. Je crois que vous avez un truc. Oh,
un samba, la publicité. Et on se retrouve d'ici quelques secondes. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au sein de la Maison de la Radio pour cette émission spéciale Mardi Gras, vous l'aurez deviné. Et nous allons commencer par prendre des tentatives de réponse à l'énigme et à la devinette que j'ai posée, Roland, au début de cette émission. Mon premier est contenu dans cette célèbre phrase « Ra viro et ro tantara ». Alors, ra mi pataro, mais ro brulara et ra lacharo. Pour moi, c'est clair. Mon deuxième se situe juste avant la catégorie « Seigneur ». Mon troisième se trouve au col du Saint-Bernard et mon tout est une réponse en chanson évidemment extrêmement célèbre. Connu. Nous allons prendre une première proposition, à moins que vous en ayez une à mon oreille. Mais moi aussi, grand fou. Première proposition, allons-y, votre prénom. Vina. Excusez-moi. Vina. Vina. Oui. D'où nous appelez-vous Vina? D'Alès. Vina d'Alès. Voilà. Vina, posez deux tafreux dans Flesse Ému. Vina. Pardon? Vina, tafreux. Oui. T'es fun ému, Vina? Du rhum des fans. Excusez-moi. Du rhum des femmes. Du rhum des femmes. Du rhum des femmes. C'est un titre, ça? C'est un titre de chanson. Chantez-la nous. Attendez, je vais appeler mon fils parce qu'il fait bien siffler. Oui, et... oui, mais... Non, mais le temps. Le titre de la chanson, la mélodie de la chanson, Vina. Attendez, je vais appeler mon fils, hein. Ne quittez pas. Oui. Pas de problème. Ça nous a coûté. Du rhum des femmes. Je compte sur vous pour m'aider parce que... Non. Vina. Oui. Allons-y, allez, Vina. Nous vous écoutons, allez. Vina. C'est pas ça. Non. C'est pas ça. Je ne crois pas. Désolé, Vina. Merci. Au revoir, Vina. Au revoir. Je vous en prie. Deuxième proposition. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Louisette. Bonsoir, Louisette. D'où nous appelez-vous? De Lisieux. De Lisieux. Près de Saint-Étienne. Près de Saint-Étienne. Oui. Cusieux. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Allez-y. Je vous propose Cadet Roussel. Waouh. Wow. Pourquoi? Bah, tout à fait. Le premier, je n'ai pas trouvé. Donc, pour les seniors, ce qui vient à la catégorie avant, c'est cadet. Cadet senior, oui. Ouais. Et junior, entre temps. Junior. Bon, enfin, je pense que ça aider. Écoute, tout à fait. C'était bien tenté, Louisette. Mais c'est pas ça? Pas du tout. Non. Ah bah, tant pis. Merci. Ça fait rien. Au revoir, Louisette. Troisième proposition, bonsoir. Votre prénom? Allô? Oui? Oui, bonjour, je m'appelle Véronique. C'est la mère d'opérette, oui. Très connue. D'où nous appelez-vous, Véronique? De Castelsarrasin. Oh, je connais très bien, c'est près de Montauban, de chez moi. Tout à fait. Oui. Regardez par là. Pardon, de par là. Voilà. Bonsoir Montauban. Tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Castelsarrasin, magnifique région. Rappelez-moi votre prénom. Véronique, 2 et 3. Alors, Véronique, nous vous écoutons. Mais je pensais à Seigneur Météo, mais à tout hasard. Ah, et pourquoi? Vous, je sais pas trop, c'est une intuition. Hey. Ouais, intuition féminine, parfois, du bon. Ouais. Chantez-le nous pour voir. Je sais pas trop chanter. Ah, ça fait rien. Ben, ça. Moi non plus, hein. Seigneur Météo, agla-gla, les frigos. Ah. C'est une chanson. Ça va chanter, Castelsarrasin. Voilà. Oh, Seigneur Météo, agla-gla, les frigos. On ne la connaissait pas, hein. Non. Ça n'est pas ça du tout. Et je peux avoir un t-shirt? Désolé. Je peux avoir un t-shirt, s'il vous plaît? Un comme ça? Parce qu'il y a de la glace. Parce qu'il y a de la glace, les frigos, vous restez en ligne, vous bougez pas, on va vous faire porter un t-shirt. Merci. Au revoir. Salut, Castel. Au revoir. Alors, nous allons prendre maintenant une autre proposition, mais enfin... Allô? Oui. Salut, Christophe. Ah, salut. Ah. Salut, Christophe. Salut, Patrice. Salut, Roland. Merci, salut. J'aime beaucoup Roland. Merci. Salut, public que j'adore. Quel est votre prénom? Oh. Quel est votre prénom? Philippe. Quel est votre prénom? Philippe. Philippe? Oui, Philippe. Fifi, vous travaillez? Je travaille, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis banquier. Banquier? Eh bien, je t'aime quand même, Philippe. Ouais, moi aussi. Philippe, ça. Banquier, dans quelle région? Savoie-sur-Seine. À Gevrey-sur-Seine? Non, Savoie-sur-Seine, à côté de Fontainebleau. Chamois? Ah oui, c'est une ville connue, c'est le plus beau pays de Seine-et-Marne. Chamois-sur-Seine? Chamois-sur-Seine. Chamois-sur-Seine. Chamois. Ah, Sannois? Sannois? Non. Non, Chamois. Chamois. Ouais, je crois que c'est à côté de Fontainebleau. Chamois. Il n'y a pas de mai. Alors, attention. Attention, Fifi. Attention, Lilip. Attention, Philippe. Nous vous écoutons. Eh bien, moi, je propose Rossignol de mes amours. Pourquoi? Mon premier est contenu dans cette phrase célèbre, Aviro et Rotantara, Rami Pataro, mais pour la boîte, il y a 33% d'intuition, c'est-à-dire le tiers, Ro. Ouais, bien wesh. Mon deuxième se situe juste avant la catégorie Seigneur. Signol.
Comment? Bah rien. C'est pour ça que je te dis, il n'y a qu'un tiers d'intuition. Mon deuxième se situe juste avant la catégorie senior. Bah oui. Oui, oui. Si. Ah. Si. 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 Si, senior. Si, senior. Si, senior. Mon troisième se trouve au col du Saint-Bernard. Ah bah, de mes amours. Aïe, aïe, aïe. De mes amours. Si, c'est le chalet qui est au-dessus. Après, là. Rossi, qu'est-ce que vous avez? Rossini. Mais non, enfin, ah. Vous nous donnez le titre de la chanson, comment vous avez trouvé? Ah bah, l'intuition, j'ai dit, hein. Bah, quoi, qu'est-ce que... attends, l'intuition, attends, c'est pour les filles, l'intuition. J'ai ma femme qui me souffle, vas-y. Rossignol. Bon, au col du Saint-Bernard, et au cou du Saint-Bernard. Bah, expliquez, Patrice, expliquez à Philippe, moi, je peux plus. C'est au cou du Saint-Bernard, comme au col, c'est l'agnol. C'est l'agnol. Voilà. Donc, Rossignol. Ah, bah oui, le Saint-Bernard, tout oui. À fait, le chien. Et oui, c'est le chien, oui, il a oui. Alors, nous allons vérifier immédiatement si c'est la vérité. Rossignol, Charlie Lulu, les gars, attention. Et Roland Cineau. Évidemment, Roland Cineau. Il était une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour. Elle pleurait toujours. Je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Oh. Rossignol, Rossignol de mes amours, et que Vini s'endra, la lune brillera, viendrait chanter sous ma fenêtre. S'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens gentil, Rossignol. Charlie Lulu, mesdames, messieurs. Dites bonjour à la caméra. Dites bonjour aussi à. C'est. Charlie et Lulu, donc, pour cette interprétation. Non. Et Roland Giraud. Roland. Roland. Allez, Roland. J'aurais fait, oui. Roland. Attention. Musique, Roland. Musique. Avec la musique. Musique, Roland tout seul. 3, 4. Oh. Oh, oh. Une fille de roi, au cœur plein de tristesse. Tristesse. Enfermée nuit et jour, au sommet d'une tour, elle pleurait. Bonjour, bonjour, bonjour. Un jour prenant son vol, nani nana nerviol, venir à la princesse. Princesse, je t'apporte l'espoir et c'est pour te revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, Rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, Rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, le chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma merci les gars. Merci. Merci. Bravo. Applaudissements pour Roland Giraud, bien évidemment. Et pour mes camarades. Et pour tous mes camarades. Patrice, rapidement. Alors donc, ben, c'était bien ça donc. Ah oui, donc vous avez gagné Philippe Bonquier. Il a gagné par hasard, mais il a gagné. Vous avez Et il gagné. A gagné. Vous avez gagné. Oui, merci Christophe. Alors qu'est-ce que vous avez gagné, Patrice va vous il dire a, il a gagné un séjour d'une semaine avec la personne de votre choix. En avez-vous une? Moi, par exemple, parce que vous m'aimez oui, beaucoup. Ma femme et ma chienne. Ah, la femme et ma chienne. Et ma chienne. La femme et la chienne. La chienne va peut-être rester à la maison. Oui, hein, parce que c'est un séjour. Sûrement, oui. Enfin, vous faites comme vous voulez, cela dit. Hein. Un séjour en Tunisie. En Tunisie. Avec Bleu Ciel. J'avais Sénégal, moi. Moi, j'avais oui, Sénégal. C'est un séjour pour d'une semaine pour deux personnes au Sénégal avec Rêve Vacances, camarade. Ah, sympa. Je répète, au Sénégal avec Rêve Vacances, vous serez logé au club du Baobab, tout à côté de la réserve naturelle
d'oiseaux de la Somme. Vous y découvrirez des hérons blancs, des pélicans, des cormorans, des flamants roses, toutes sortes d'oiseaux. Et des ours également. Et pour photographier ces magnifiques oiseaux, nous vous offrons un autofocus 300 de Yashica avec zoom motorisé. Oh, voilà. N'est-ce pas, Patrice? Correction automatique et trois possibilités de exposition. N'est-ce pas, Patoche? Ça doit être ça. Bah, au revoir, si en tout cas, Philippe. Merci beaucoup. Applaudissements pour lui. Nous passons maintenant immédiatement au sort. Oui, parce que le carnaval en Angleterre s'appelle Halloween. Et c'est une autre. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? C'est pas grave. Alors, on y va. Vite. Allez, on y va. On va rejoindre les sœurs Mormon. Allons-y. Rapidement. Pour prendre des... Nous allons rejoindre donc les sœurs Mormon. Qui sont des sorcières. Allons. Vas-y, Roland, vas-y. Patrice, venez vite. Patrice, dépêchons-nous. Bienvenue. Dépêchons-nous. Alors. Bienvenue. Oh là là. Bienvenue au pays des sorcelleries. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Oui. Comment ça va, Katrina? Comment ça va, Telcheu? Donc, vous allez nous parler d'Halloween et de ce qui se passe en Angleterre. Non, nous, on va... Parce qu'on va faire du sorcellerie carrément. Une messe noire tout de suite. Ça sent le crapaud. Donc, alors, on va vous transformer en chien. Oui, en chien d'abord. Non, alors, Roland d'abord. Comme dans la bande-annonce. Attendez, tout de suite en chien. Parce que je pense que celui-là est le plus gros que tu le donnes. Oui. Très bien. Alors, un petit chien. C'est pas le bon taille. Il faut qu'on change. Ah, c'est ça, Domazo. Voilà. Je suis pas sûr, moi. C'est ça. Je suis pas sûr, moi. Non, c'est pas du tout. C'est juste un petit tour de magie. Sorcière. Magique. Vachement à l'aise. Plaisir, pour ça. Tu fais pas mal? Alors, après. Pas du tout mal. Voilà. Ah, mes yeux. Voilà. Ah, ça, je préfère. Les oreilles. Oui. Les oreilles. Si ma mère m'envoyait. Oh là, au secours, vite. Et voilà. Non, mais attends, Et voilà. Il est beau. Alors, rapidement, Katrina. Et maintenant, on va faire un petit tour de magie que vous transformez en chien. Oui. On va faire ta chien, un, deux, trois, comme Bernard. Et voilà, vous éboyez. Vous êtes en chien. On va faire un petit point. Voilà. Merci. Très bien. Merci. 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 Éboyez. Faites le beau. Faites-moi bien. Voilà, les chiens. C'est très bien. Oh oui, c'est bien. Alors, vous faites petite... Oh oui. Oh, oh. Chérie. Ah. Attends, je le tiens. Bon, on va passer à la petite danse de chien sorcière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dansé, en fait. Alors, prenez ensemble. Venez avec nous. Allez, au milieu. Fais-moi un petit besoin. Au secours, bon, maman, si tu me regardes. À genoux. Alors, tout le monde. On est ici. Et vous êtes prêts, les chiens. Voilà. Alors, plus près, Christophe. Là, on lance la musique. On va lancer la musique. Oui. Et puis, on est comme ça. Oui. Avec les langues. Alors, un, deux, trois, quatre, huit. Passez une bonne soirée. Passez demain, c'est Pascal Tafrel. Jean Vautrin demain, oui, bah oui. Passez une bonne soirée, donc amusez-vous bien. Merci Roland d'être venu participer à cette émission. J'aime bien les émissions sérieuses. Merci beaucoup, bravo Katrina. Merci beaucoup. Merci Telcheu. Bravo à cette Patrice. Ce soir, bien évidemment, sortez couverts sur les prudents. C'est Mardi Gras, donc tout est permis, bien sûr. Chip, chip, chip.
Et à demain, Patrice Mesmin, 18h50. Oui. Ah, bien sûr. Passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Bravo les petits jeunes, merci Roland, amitié à tout le monde. Hein. Merci, au revoir.